c'est vrai, mais j'ai un copain, conteur africain, qui dit toujours « Tu as beau être aussi pressé que tu veux, ton petit derrière ne sera jamais devant toi. » Voilà. Maintenant donc, je laisse la place à Patrick pour une bonne heure. Voilà. Patrick, c'est à toi. Assis sur un rocher, devant l'océan, un homme raconte. Il raconte des histoires, et l'océan l'écoute. Il raconte des histoires sans prendre le temps de se reposer, sans prendre le temps de boire un verre d'eau. Et inlassablement, l'océan l'écoute. Le rocher dit que si le conteur se tait, ou pire, si on le fait taire, personne ne peut dire ce que fera l'océan. Bonjour et bienvenue. Les contes et les conteurs. Animal bizarre. Moi, mon grand-père était conteur. Ce fut même mon premier conteur. Petit, lorsque je rentrais de l'école, il m'attendait, il m'avait préparé... Enfin non, c'est ma grand-mère, parce que c'est lui, non. Ma grand-mère avait préparé le 4 heures, et lui m'attendait...